Bonjour les mordus, aujourd'hui on fait deux recettes, une recette de pancake classique et une recette de pancake au siphon. C'est parti! Pour les pancakes classiques, il vous faudra un œuf, 30 g de sucre, 150 g de farine, 7 g de levure chimique, 200 g de lait et 15 g de beurre fondu froid. On va dans un cul-de-poule casser l'œuf et ensuite on va le blanchir avec le sucre. Surtout, dès que vous mettez le jaune au contact du sucre, vous mélangez aussitôt. Ensuite, on va ajouter la moitié de notre mélange farine-levure chimique. On mélange. Puis, on va délayer avec la moitié du lait. Ce qui nous fera une pâte épaisse et on aura ainsi beaucoup moins de grumeaux. Voire même pas du tout. On rajoute le reste de la farine. On ajoute maintenant le beurre fondu. Et puis on finira tout à l'heure avec le lait. C'est la même technique que j'utilise pour faire la pâte à crêpes. D'ailleurs, je vous mets le lien en haut à droite et je vous mets aussi le lien dans la barre de description de la vidéo. On mélange bien tout ça. Ensuite, on va le laisser reposer environ 30 minutes au frigo. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Dans votre poêle, vous mettez un peu d'huile, vous faites chauffer, vous étalez l'huile avec un sopalin comme pour les crêpes et vous faites des petits tas. Des petits ou des gros si vous voulez des gros, pas de souci. On va laisser cuire, forcément la levure chimique va faire son effet et ils vont gonfler. Ensuite, vous les retournez. On les cuit donc sur la deuxième face. Et ensuite, on les débarrasse dans une assiette, on peut les manger aussitôt. Quand ils sont encore un peu tièdes, c'est meilleur. On va maintenant passer à la recette des pancakes au siphon. Vous aurez besoin de 4 œufs, 50 g de sucre, 125 g de farine et 100 g de lait. Comme tout à l'heure, on va casser nos œufs dans un cul-de-poule. Ensuite, on va ajouter notre sucre. Ensuite, on va ajouter cette fois-ci toute la farine, toujours dans la même idée d'avoir une pâte épaisse. Que l'on va ensuite délayer avec le lait, exactement comme tout à l'heure. Cette fois-ci, vous avez vu, on n'a pas ajouté de levure chimique. Puisqu'on va le mettre en siphon et on va ajouter du gaz. Ce gaz nous aidera donc à avoir une pâte aérienne. Ensuite, on va mettre tout ça au siphon. Surtout, pensez bien à passer votre pâte au tamis pour éviter que quelque chose bouche le siphon lors de son utilisation. On va refermer notre siphon. Faites bien attention à avoir la tête complète du siphon avec tous les joints. On ferme fort et ensuite on va ajouter une cartouche de gaz. On mélange bien le tout. Et on va ensuite les faire cuire à la poêle comme tout à l'heure. Un peu d'huile, un sopalin pourrait partir. Et on fait au siphon. Alors appuyez doucement sur la gâchette
pour pas avoir trop de pression d'un seul coup. Même chose, on laisse bien cuire sur les deux côtés. Ensuite, on les débarrasse et on peut les manger aussitôt. Vous pouvez accompagner ces pancakes avec du miel, de la pâte à tartiner, de la confiture. Faites-vous plaisir, bonne dégustation. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. À bientôt.